Eh, tu savais qu'avant Lorient c'était une ville fortifiée, même qu'il y avait seulement deux portes pour y entrer, dont une juste à côté de moi ici. Allez viens, je te raconte la place Aristide Briand. C'est en 1744 qu'on a décidé de construire les fortifications côté terre, tout autour du centre-ville, pour se protéger d'éventuelles attaques anglaises qui voulaient piller les villes françaises à l'époque. Ces fortifications, elles étaient constituées d'un haut mur d'enceinte et puis d'un fossé, et il y avait seulement deux portes pour y accéder. Il y avait l'entrée principale qui était la porte du Morbihan, qui est au niveau de l'actuelle place Clémenceau, tu sais, entre le cours de Chazelle et puis la rue Maréchal-Foch. C'était clairement la plus classe. Et puis il y avait la deuxième entrée qui était un peu plus secondaire, qui était la porte de Plumeur, juste un petit peu plus bas ici, et puis qui donnait évidemment sur la place de Plumeur et qui était un peu plus difficile d'accès puisque il y avait une chicane et un pont-levis à l'entrée. Cette porte, elle donnait directement sur la place de Plumeur, qui est finalement aujourd'hui l'actuelle place Aristide Briand. Elle devait son nom au fait qu'elle donnait directement sur Plumeur, hein, puisque à l'époque, la ville de Lorient s'arrêtait quasiment ici, et donc on allait ensuite directement à Plumeur. Et puis les fortifications, elles ont beaucoup évolué avec le temps, la porte aussi, hein, elle a été améliorée, etc. Et puis vers 1909, on a décidé de complètement la détruire, ainsi que le reste des fortifications, puisqu'en fait, ça ne servait plus à rien. Les Anglais ne voulaient plus nous attaquer, on ne risquait plus rien, donc on a tout détruit. Avant-guerre, c'était déjà une place très commerçante, hein, mais il y avait quand même un type de commerce qu'on retrouvait plus que les autres, je vous le donne en mille, les cafés et les bars, et notamment un qui était juste derrière moi, qui était le bar où on prenait le car pour aller à l'Armorplage. Et c'est un peu avant la Seconde Guerre mondiale qu'on a décidé d'appeler cette place la place Aristide Briand, en hommage à un célèbre homme politique français qui a été de nombreuses fois ministre, et surtout qui a été élu prix Nobel de la paix pour ses actions pour la paix avec l'Allemagne, qui, l'histoire nous l'a prouvé, ont été très efficaces. Avant-guerre, ici derrière moi, il y avait le square Louis Ney, qui était un endroit vraiment magnifique, hein, comme aujourd'hui finalement. C'était un square très prisé des Lorientais et surtout très paisible. Il devait son nom à l'ancien maire de la ville, Louis Ney, qui est aussi un ancien ministre et surtout qui est à l'origine de la création du port de pêche. D'ailleurs, le boulevard qui mène au port de pêche porte toujours son nom aujourd'hui. Et puis il y a eu la guerre et le square et la place qui allaient quasiment jusqu'ici ont été détruits. À la reconstruction ici, il y avait des baraques, hein, donc c'est les petits commerces en bois construits à la va-vite. Et puis ensuite, on a commencé à construire des bâtiments. On a décidé de construire au bout de la place juste derrière moi un îlot avec en son centre le Royal, le fameux cinéma qui a été déplacé de la rue Saint-Pierre où il avait été détruit par la guerre jusqu'à ici. Le Royal, lieu mythique, lieu emblématique pour les Lorientais les moins jeunes, il avait été conçu comme un lieu multiculturel à la décoration soignée. Il comptera au total jusqu'à 7 salles, mais l'apparition du Cinéstar, qui deviendra ensuite le méga CGR, et du Cinéville, avec leurs 11 salles respectives, auront raison du Royal, qui fermera définitivement ses portes en 2001. Il a tellement marqué la culture lorientaise que certains l'appellent encore aujourd'hui la place du Royal, plutôt que la place Aristide Briand, et les plus jeunes, eux, l'appellent évidemment la place de la Fnac. La place, c'est aujourd'hui la place centrale de la ville lorientaise, contrairement à l'époque où c'était juste la porte d'entrée de la ville, hein, qui était à peu près ici. Bon allez, Kenav,